C'est une première pour nous en tant que Guinéens. Et c'est intéressant pour nous aussi, nous le bas peuple, parce qu'on a connu beaucoup de choses par eux. Je suis satisfait. Et le président aussi, M. Tunkwa, il m'a tellement surpris. Parce qu'au début, je ne croyais pas en lui. Mais au fur et à mesure, les choses évoluaient. Et j'ai eu confiance à la cour. Je suis content et je suis ravi quand même d'entendre, parce que j'ai appris la nouvelle au cours de la route. Donc de voir les gens sont condamnés et d'autres, mais malgré d'autres sont en fuite, mais bon. En tout cas, je suis content moi. Je suis content moi en tant que Guinéen, et en tant que aussi j'ai des parents qui ont été victimes aussi, et beaucoup d'amis aussi qui ont perdu leur vie. La cour a jugé nécessaire de les condamner à leur forte cité. Donc nous citoyens, on ne peut pas dire autre chose plus que ça. Parce que moi, j'ai des amis, d'autres me disaient, même comme avant-hier, j'ai un ami qui me disait que Dadis devait avoir plus de 50 ans. En tout cas, la cour, quand même, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un travail remarquable. Et peut-être ça va aussi encourager la justice de faire lumière à d'autres choses aussi. Donc, comme ce qui s'est passé à Tkambouaou, donc ça ne se finit pas, quoi. Ça ne se finit pas. Il y a trop de victimes dans ce pays-là. Et si la justice guinéenne prend les choses en main, donc vraiment, les victimes seront soulagées. Ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait quand même le travail. Tu vois, maintenant, bon, selon moi, la condamnation qu'ils ont fait, je peux apprécier et je ne peux pas encore apprécier aussi. Parce que chacun a sa part. Exemple comme les opposants. Est-ce que vous comprenez? Dadis est le président de la République. S'il dit à les gens, interdit la manifestation, il sait que c'est mieux de laisser les manifestations. Parce que c'est lui qui est le père de la nation. Est-ce que vous comprenez? Comme on dit, par exemple, le fils et les enfants. Mon fils, mes enfants ne sortent pas. Est-ce que vous comprenez? Il sait que les enfants vont entendre. Si c'est que vraiment, tu as dit, vous êtes l'amour de le père, vous allez rester à la maison, ne sortez pas. Et si vous sortez et que le mal vous arrive, vous avez violé le règle du père, qui est la faute maintenant? Et c'est que c'est les enfants qui ont la faute. Donc quand Dadis dit de ne pas sortir, plusieurs fois, ne sortez pas, ne sortez pas. Et on vous appelle la nuit. Sidia, ne sortez pas. Dites à vos amis, dites à les gens, les militants de ne pas sortir. Vous avez dit que c'est trop tard. Et vous sortez encore. Il devait laisser les condamnations, selon moi, hein, il devait laisser 150 morts, plus, bientôt, c'est trop. Mais si on prend beaucoup de pays, il y a 1000 morts, il y a 200 et quelques morts. Mais finalement, ils ont laissé les gens là. On l'a jugé, on a laissé. Oui, on devait dire, vous allez cotiser, vous allez vous payer, vous allez payer l'argent qui devait vous payer l'argent. Le prix de condamnation. Mais vous les libérez. Moi, selon moi, Dadis est innocent dans ce problème. Selon moi, il n'est pas responsable. Parce qu'il a dit à les enfants de ne pas sortir. Et s'il sort, quand il y a un dégât maintenant, qui est la cause maintenant? C'est les enfants, non? Donc, moi, je peux condamner les opposants. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne. Alpha Condé est venu. Il a quitté. Donc, les gens ont quitté. Même présentement là, Doumbouya aussi, lui aussi, il va quitter.